Elle a été dévoilée il y a quelques jours, c'est la nouvelle Surface 3 de Microsoft, plus petite mais très séduisante. Microsoft continue de tenter de séduire à la fois les professionnels et les étudiants avec cette tablette sous Windows qui sortira au mois de mai. Voilà, à quoi va-t-elle ressembler? Est-ce une bonne affaire? Tout de suite les détails avec Eric Le Bourlou de la rédaction de Zeronet.com. C'est donc une nouvelle Surface qui va arriver nettement moins chère que la précédente. C'était la Surface 3, non pas la Surface voilà, Pro 3. Voilà, c'est la Surface 3 qui est déjà sortie, donc pas Pro, qui va sortir le 7 mai à partir de 599 €. Donc c'est quand même pas donné. Ça c'est sans clavier. Elle est plus petite que la Surface. Que la Surface Pro, elle a fait 10 pouces 8, si je ne m'abuse. Alors que la Surface Pro fait 12 pouces, ouais. C'est ça. Hein. Et effectivement, elle est beaucoup plus facile à trimballer, j'allais dire à manipuler. C'est vrai qu'elle est plus légère, elle fait 622 grammes et c'est vrai qu'on a plus l'impression quand on la prend en main d'avoir une tablette en main. Tandis que la Surface Pro effectivement fait plus déjà un vrai ordinateur. Oui, c'est l'iPad mini de Microsoft. Un petit peu l'iPad, je dirais, ça a plutôt une taille d'iPad Air, hein. C'est plutôt mis en frontal face à l'iPad Air. Microsoft avec ça veut en fait concurrencer l'iPad en montrant que sa Surface ça fait beaucoup plus que l'iPad, puisque là on a un vrai Windows, hein. C'est plus ERT, ça ils ont arrêté. Donc là maintenant c'est Windows 8 pour l'instant, mais ça passera à Windows 10. C'est un constat d'échec clairement avoué maintenant concernant Windows RT. Oui, c'est clair. On n'en parle plus. Donc maintenant c'est Windows 8 et c'est un vrai Windows. Et donc Microsoft dit donc elle a les mêmes fonctions que Surface Pro, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'écriture manuelle, etc. Mais on a un vrai Windows. Et c'est comme ça qu'ils veulent se différencier de d'Apple qui utilise iOS dans ses tablettes, qui n'est pas un vrai OS de productivité, on va dire. En revanche, elle va être moins puissante. Hein, c'est-à-dire que là, on ne se retrouve pas avec les mêmes composants que sur la Surface Pro. C'est du Intel Atom à l'intérieur. Alors, c'est la dernière génération d'Intel Atom, mais c'est un processeur donc très basse consommation, mais très peu puissant aussi. Donc, évidemment, on ne peut pas faire non plus du traitement vidéo avec ça. Mais par contre, c'est très fluide. On a joué un peu avec. On n'a pas eu encore le temps de l'essayer, mais on sait qu'au labo, ils vont la torturer dans tous les sens. Mais on n'a pas encore. J'ai juste pu jouer un petit peu avec. C'est parfaitement fluide. Ça marche très bien comme ça. Après, il faudra voir sur notamment l'autonomie. Parce que ça, Microsoft annonce 10 heures d'autonomie, c'est ça aussi qui va être important de voir si ça tient bien 10 heures. Excuse-nous, Jérôme, fait une émission de télé. ça arrive de temps en temps. Hein. Désolé. Ça sort quand? Ça sort le 7 mai. Ça sort le 7 mai. Le 7 mai, partout dans le monde, oui, en France. Oui, partout en France, le 7 mai. À 500 $ environ. À 599. À 600 $. Et le clavier, on l'a pas dit. Et voilà. Et le prix. Oui, parce que c'est la douloureuse. Voilà, c'est ça la douloureuse quand même. C'est toujours pareil, ce clavier qui est donc quasiment indispensable si on veut l'utiliser correctement, parce que ça reste aussi un PC, qui est à 150 € quand même. Donc c'est vraiment pas donné pour le clavier. Donc ça fait 599. Plus 150. Plus 150. Si on veut avoir quelque chose qui ressemble. Et si vous voulez avoir le stylet, parce que le stylet n'est pas non plus livré avec, donc il faut payer encore 49 €. Donc ça, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est un peu livré en kit et c'est pas donné du coup. Donc ça fait 800 € pour la version la plus bas de gamme, parce qu'il existera une autre version avec plus de mémoire. Il y a quatre versions, il y a 64 ou 128 gigas, et puis il y a une version classique Wi-Fi et une version 4G qui lance aussi. Et quelle est la cible que veut toucher Microsoft avec ça? Alors la cible que veut toucher Microsoft, alors ils parlent beaucoup des étudiants, ils cherchent vraiment à séduire les étudiants, notamment avec leur concept d'écriture manuscrite, et puis un plus large public que celui de la Surface Pro, mais effectivement ils cherchent à séduire essentiellement une clientèle de jeunes actifs, et aussi les entreprises, hein. Les entreprises sont assez séduites par le concept de Surface, parce que ça leur permet de réunir une tablette et un PC en un seul appareil. Thomas sur Twitter qui nous dit que cette Surface 3 pour lui est un peu décevante à son goût par rapport au prix. C'est vrai que malgré tout, même si elle coûtera moins cher que la Surface Pro actuelle, 800 € pour avoir enfin 750, c'est pas donné. Il faut dire qu'on n'est pas aidé non plus avec le taux de conversion dollar-euro en ce moment. Les produits high-tech ont tendance à augmenter. C'est vrai qu'aux États-Unis, elle est à 500 $. On va avoir sans doute de très mauvaises surprises, à mon avis, dans les semaines ou les mois qui viennent.